spécialiste en chirurgie bariatrique et écrivain. Il faut l'être pour en réaliser l'ampleur, ou pas. En échangeant avec le docteur Mohamed Cohen, j'ai eu l'impression que ce grand homme d'une modestie déconcertante mettait son interlocuteur en valeur et non le contraire. Je l'interviewais avec une admiration particulière du parcours d'un chirurgien marocain qui a perfectionné son savoir-faire en Europe pour en faire bénéficier d'abord son pays, le Maroc. Manier le bistouri et la plume avec talent ne peut être donné à tout le monde. Ce don, Mohamed Cohen le partage avec nous généreusement. Le bloc des contradictions et pour le plaisir, deux romans, deux histoires différentes, mais toujours cette vérité, dénudée d'artifices pour la maquiller. Toujours cette suggestion de débat et de réflexion autour de sujets intensément sensibles. Mohamed Cohen, le sage, le réaliste, sait raconter la vie sans embâche. Bonjour et bienvenue sur la plateforme médiatique Positiva Morocco que je vous présente à partir du Canada. Mon invité aujourd'hui est le docteur Mohamed Cohen. On l'appelle le chirurgien d'obésité et on l'appelle aussi le roi du bistouri. Marhaba bik, bienvenue docteur Cohen. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Merci à vous, Sylmer Grecki. Merci à grand succès, longue vie à Positiva Morocco. C'est vraiment honoré d'être là aujourd'hui. Merci, et puis le succès, c'est avec vous hein, et à travers vous, hein, toutes ces personnalités marocaines que je reçois et qui me font honneur et qui font honneur à leur pays. Docteur Cohen, vous avez étudié la médecine à Casablanca dans votre pays. Et puis, de là a commencé toute une aventure, hein, un parcours qui vous a mené de Paris à Strasbourg, de Strasbourg en Allemagne, pour parfaire votre expertise. Le jeune Mohamed Cohen, aurait-il un jour pensé qu'il aurait une carrière aussi brillantissime? Oh, brillantissime, je ne sais pas. Mais c'est une carrière que je pense un peu méritée quand même, parce que j'ai tout fait pour l'être. Mais déjà, enfant, j'étais impressionné par une personnalité. Enfin, j'habitais à Marrakech, j'étais à l'école primaire, je crois. Et puis, en face de chez moi, il y avait un médecin qui avait une aura extraordinaire, qui était appréciée par tout le monde et qui m'impressionnait énormément. Et c'était le rêve d'enfant de ressembler. Et je me suis identifié à ce médecin pendant toute une période. Effectivement, une fois arrivé en France, une fois après avoir entamé les études de médecine, je me suis dit, c'est la chirurgie qui va me convenir. Et une fois en France, ça a été extraordinaire parce que j'ai rencontré des gens très, très, très intéressants qui m'ont donné un coup de main, qui m'ont porté à bras-le-corps pour justement faire tout ce que j'ai pu faire, enfin, faire justement une belle spécialité dans un grand service, sous la houppette d'un grand patron, qui nous avait transmis en plus du savoir scientifique la relation médecin-malade, le sens de l'honneur, le sens de l'honnêteté, enfin des choses extraordinaires que j'essaie de perpétuer, ne serait-ce que par reconnaissance à tout ce qu'on m'a donné ailleurs. Effectivement, un autre, j'ai suivi des études universitaires, je suis allé effectivement, comme vous l'avez dit, à Strasbourg, en Allemagne, etc., pour parfaire cette formation, toujours poussé par ce père spirituel qui voulait absolument formater un produit marocain et le renvoyer dans son pays, justement pour servir son pays. Je trouve ça extraordinaire. Enfin bon. Oui, mais oui, c'est toujours extraordinaire d'aller un petit peu vadrouiller dans le monde entier, parfaire son expertise et revenir en faire bénéficier son pays. Docteur Cohen, quand vous étiez jeune au Maroc, c'est-à-dire je parle de votre enfance, quels étaient vos rêves, à part la médecine, à part une carrière que j'ai qualifiée de brillante ici, mais qui l'est vraiment, est-ce que vous aviez d'autres rêves? Vous rêviez à quoi dans votre petite bulle familiale, dans votre petit environnement? Mohamed Cohen, à quoi il aspirait? Mais écoutez, je vous étonnais parce qu'enfant, on avait très, très peu de rêves. Le seul qui existait, c'était de réussir sa vie
Et le seul moyen pour réussir, enfin, entre parenthèses, je viens d'une famille relativement modeste, et la consigne qui nous a été donnée, ou qui m'a été donnée, c'était travailler pour réussir. Et donc, c'était une vie, c'était pratiquement en rapport avec une certaine méritocratie. Tu vois. Alors, le problème, c'est qu'il fallait travailler, et ces rêves, on construisait nos rêves en fonction de nos capacités à les réaliser. Et ça s'est fait comme ça. Donc, le seul rêve que j'avais, enfin bon, j'ai fait un peu de sport, mais je n'ai jamais rêvé d'être sportif de haut niveau. J'ai fait un petit peu de. Je lisais beaucoup, mais je n'ai jamais imaginé que j'allais pouvoir écrire un livre un jour. C'est des rêves d'enfant. Mais celui-là, enfin, celui d'être chirurgien, de rendre service aux gens, d'être proche des gens, d'apporter quelque chose pour les autres, ça, c'est un vrai rêve et c'est le seul pratiquement que j'ai eu. Et heureusement, j'ai réussi à en faire mon métier. Vous savez, à chaque fois qu'on parle à un chirurgien, on se dit, attends, il faut être dans quel mood pour pouvoir manier un bistouri aussi habilement. C'est un mystère pour nous, lambda des citoyens. On se dit, c'est quoi le niveau de concentration qu'il faut avoir pour justement pouvoir opérer un humain vivant? Oui, mais c'est une chance, c'est un grand privilège. Je vais vous raconter une petite histoire. Mon fils, à un certain moment, voulait faire médecine et donc je l'ai fait rentrer avec moi au bloc opératoire. Et pendant que j'opérais, je lui posais. Il était habillé comme un chirurgien, comme un chirurgien, et donc stérile. En opérant le malade, je lui ai posé sa main sur le foie du patient et je lui avais demandé ce que c'était. Il me dit, mais c'est un foie. Je dis, non, c'est pas seulement un foie. C'est quelqu'un qui vous donne la possibilité de rentrer dans son ventre. Et il faut être vraiment à la hauteur de ça. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas être chirurgien, on ne peut pas être médecin. C'est-à-dire qu'on nous livre une vie, quelqu'un qui vous fait confiance, qui se donne à vous. Et donc, vous devez absolument être à la hauteur de ça, Qui méritait sa indépendamment de confiance. toutes les autres considérations. Oh, bah oui, écoutez, et ça nous impressionne toujours, hein. On se dit, quand Ben, nous-mêmes. je sais pas si c'est impressionnant, c'est un devoir. Et puis bon, ça peut paraître extraordinaire, mais vous savez très bien que lorsqu'on intervient sur un membre, par exemple, sur une partie du corps, on met des champs, on détermine la zone où on travaille, etc. Donc ça nous met, il y a une espèce de distance qui se fait par rapport à tous ces concepts, par rapport à la vie, par rapport à la mort, etc. On travaille sur une pièce et on doit le faire comme il se doit. Après, une fois que le malade est réveillé, ben, il y a une autre relation et un autre rapport. Effectivement, c'est différent. Mais oui, mais est-ce qu'il y a des secrets pour vous préparer, ben, toute une concentration? Est-ce que vous faites quelque chose avant de rentrer dans une salle d'opération, dans le fond? Eh bien, écoutez, effectivement, quand la chirurgie, ça prend par accompagnonnage. Et j'ai eu la chance d'être accompagné par plusieurs personnes qui ont cette capacité de transmettre des grandes valeurs. Et parmi ces grandes valeurs, c'est l'amour. Il faut aimer les gens pour pouvoir justement accéder à leur corps et faire ce travail-là. Et quand on les aime tellement, et donc forcément, il y a un peu de stress, forcément, lorsqu'on intervient sur quelque chose qui est un peu rare, qui est un peu difficile, il y a une petite appréhension. Mais je pense que le chirurgien doit s'élever au-dessus de tout ça et faire son travail en mettant ses sentiments de côté, en mettant ses appréhensions de côté, etc. Parce que qu'est-ce qu'il demande le patient? Il demande à être opéré de façon efficace. Et de votre état d'âme, il n'en a rien à faire. Ah, C'est bah oui. un résultat. Et donc, on doit répondre à cette chose-là de façon efficace et de façon rigoureuse. Et puis vous le faites bien, docteur. Alors, plusieurs engagements associatifs, sociétaux. Comment arrivez-vous à concilier vie professionnelle, vie personnelle et aussi cette écriture dont on va parler plus tard? Comment arrivez-vous à concilier entre vos vies, vos trois vies? Oui, mais bon, je pense que les associations, c'est un appendice de la science. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au Maroc, effectivement, j'allais pas dire qu'il y avait un vide. Non, il y avait les chirurgiens avaient besoin de rencontres scientifiques, de congrès, de manifestations, d'échanges, de transmission de savoir. Et donc, je me suis mis dans cette espèce d'association, enfin plusieurs associations scientifiques qui m'ont permis justement de réunir des gens, de fédérer un peu, de rencontrer, de faire venir des compétences extérieures, d'organiser des congrès. Mais ça fait pratiquement partie
de l'activité chirurgicale. C'est-à-dire qu'un chirurgien qui ne s'informe pas, qui n'est pas à jour, il devient obsolète au bout de 5-6 ans. Ça, et puis la science avance tellement vite qu'on est obligé de rester dans cette espèce d'enseignement post-universitaire. Les autres associations qui ont un caractère plus bénévole, enfin, s'imposaient parce que il y a une vingtaine d'années, la couverture médicale généralisée n'était pas encore efficace au Maroc, enfin, elle n'était pas encore présente au Maroc. Donc, ouais, il y avait beaucoup de personnes et de gens nécessiteux. Donc, on s'est dit, avec quelques amis, des gens qui, des bienfaiteurs, on s'est dit, pourquoi pas prendre en charge les gens les plus démunis, ne serait-ce que pour leur donner un petit espoir de vie et puis les soigner. Ça s'est fait comme ça. J'allais dire, heureusement, effectivement, actuellement, le Maroc est en train de généraliser cette couverture médicale. Beaucoup de gens vont en bénéficier. Le roi a donné ses directives pour que ça soit généralisé. Et cette association, je pense qu'elle n'aura plus aucune efficacité, plus aucune légitimité, puisque l'État va reprendre en main tous ces gens-là. Et c'est un honneur pour les Marocains. C'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Heureusement. Et puis, dites-moi donc, un chirurgien au Maroc, trouve-t-il toujours les structures adéquates et l'environnement adéquat, puis la mentalité pour exercer pleinement son métier, c'est-à-dire, que manque-t-il au Maroc Alors, pour justement devenir peut-être une destination touristique de santé? Vous savez, il y a beaucoup de pays qui sont... y a pas que ça. Vraiment, le Maroc a fait un pas extraordinaire vers la technologie, vers l'expertise. Et je vous rassure, sur le plan médical, le secteur libéral est très, très bien équipé. Vous imaginez, par exemple, à Casablanca, on a plus de scanners et plus d'IRM qu'à Paris. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les compétences sont là, les gens sont très très bien formés. Il fut un temps où les Marocains devaient voyager pour se faire opérer ailleurs, ne serait-ce que pour des bricoles. Aujourd'hui, toutes les opérations qu'on peut faire, soit au Canada, aux États-Unis, en France ou en Allemagne, se font au Maroc. Toutes les compétences sont là, les équipements sont là et ce sont des équipements de très très haut niveau. Donc, on n'a pas de quoi rougir et on n'a pas de. Je pense que les autres pays doivent en être un petit peu jaloux parce que sur le plan médical, il n'y a rien à dire. Quelques petits soucis, effectivement, rien n'est parfait, vous savez bien, mais bon, il y a encore des soucis de facturation, les malades payent de leur poche des fois des choses, etc. Mais bon, ça, c'est déjà justement qui vont arriver. Et moi, j'ai grand espoir que les choses s'améliorent de ce côté-là. Ne serait-ce que pour, par exemple, la gestion du Covid, c'est vraiment extraordinaire au Maroc, là. Enfin, on a très, très peu de cas. Effectivement, bon, le gouvernement ne communique pas beaucoup, mais les choses sont faites réellement. Il y a 4 millions de Marocains vaccinés déjà, qui ont eu la deuxième dose, ce qui est extraordinaire. On a été vaccinés plus vite que la France, ce qui est quand même une Plus référence. que plusieurs pays, je vous l'assure. Plusieurs pays, et donc c'est quelque chose de très très bien. Je pense qu'il y a un travail de fond qui se fait, ça se fait dans le silence, sans beaucoup de bruit, mais ça se fait et j'ai beaucoup d'espoir. Je suis très optimiste de ce côté-là. Alors, quand on parle à un chirurgien de la sleeve, on se dit, ben, vous sauvez des vies, donc, vous sauvez des vies, vous changez des vies. Sauver, je ne sais pas, mais c'est vrai que le traitement aujourd'hui de l'obésité a fait des grands progrès, d'abord grâce à la cœlioscopie, parce qu'on n'est plus obligé de faire des grandes laparotomies, enfin des grandes ouvertures pour soigner les patients. Donc, on met 3 ou 4 petits trous pour régler des problèmes d'obésité. La technique est tellement bien maîtrisée, le matériel est tellement bien que les résultats sont extraordinaires et effectivement, ça transforme la vie des gens. Les gens qui sont obèses sont souvent ont des pathologies associées. Ils souffrent généralement de diabète, d'hypertension, de problèmes vasculaires, de problèmes articulaires, de problèmes endocriniens, de problèmes de stérilité. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui se greffent sur l'obésité. Effectivement, les faire maigrir, quand quelqu'un perd 30, 40 ou 70 kilos, ben, ça change sa vie. Ça change sa vie sur le plan social d'abord, ça change la vie sur le plan relationnel. Et sur le plan psychologique et en plus sur le plan de santé, c'est vraiment quelque chose de très intéressant.
Oui, docteur, gardez-vous de belles relations avec ces gens-là. Je vous l'ai dit, hein, vous sauvez des vies parce que, vous savez, quand on souffre d'embonpoint, ça nous pourrit la vie, comme on dit, hein. C'est pas quelque chose qu'on vivrait à l'aise, enfin, dans notre quotidien. C'est difficile de bouger, de faire des activités sportives, etc. Est-ce que vous avez déjà eu des retours positifs de la part de vos patients? Oui, alors au début de l'activité, on avait régulièrement des retours positifs. Mais ça s'est tellement démocratisé que ça devient quelque chose de normal d'habituel. Donc, c'est vrai, les gens savent qu'ils vont venir, qu'ils vont se faire opérer. Enfin bon, il y a quand même une prise en charge avant, il y a un bilan, il y a un parcours médical avant d'arriver à l'intervention. Mais ils savent très très bien qu'une fois l'intervention faite, ben, les choses vont aller très très bien. Et puis voilà, donc. On les suit pendant 1 mois ou 2 mois. Après, voilà, ils sont dans la nature. De temps en temps, ils reviennent pour un petit bilan. Mais les résultats sont tellement bons que ça devient quelque chose de naturel. Oui, mais est-ce que, franchement, la chirurgie de la sleeve, est-ce que c'est vraiment aller vers la facilité ou non, non, c'est quelque chose de vraiment nécessaire, puis ça sauve des vies, comme on a dit tout à l'heure. Vous savez, des fois, on se dit, ah ben moi, je ne suis pas capable de faire du sport, j'ai mal partout, je devrais vraiment aller vers la chirurgie, enfin, la chirurgie bariatrique. C'est plus rapide, il y a un engouement, hein, il y a 20 ans, c'est devenu très à la mode. Justement, il y a un engouement, mais il faut quand même faire les choses dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'on ne va pas opérer des gens qui ont besoin de perdre 10 ou 15 kilos avec le régime, avec le sport, avec le changement de mode de vie. C'est quand même une intervention chirurgicale. Enfin bon, il ne faut pas oublier que c'est une anesthésie, que c'est une intervention chirurgicale, qu'il peut y avoir des complications, donc ce n'est pas rien. Lorsqu'on arrive à la sleeve, c'est qu'on a fait un parcours de nutritionniste, de psychologue, qu'on a fait un bilan et que l'indication soit bonne. C'est-à-dire, par exemple, j'imagine qu'au Canada, c'est la même chose qu'en Europe, on n'opère pas les gens qui ont un BMI de moins de 35. Absolument. Donc, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a énormément de demandes. Il y a des gens qui ont besoin de perdre 10 ou 15 kilos et ils vont venir pour réclamer une sleeve. Alors, le bon sens veut qu'on refuse. Il y a d'autres techniques. Il y a des régimes. Il y a aussi les ballons gastriques. Enfin, on peut poser un ballon gastrique. Ça permet de perdre 10, 15 kilos pendant une certaine période. Donc, ça aide un petit peu. Il y a d'autres moyens que la chirurgie pour maigrir, à condition de ne vouloir perdre que 10 ou 15 kilos. Quand on est dans un cadre où il faut perdre 70 kilos, par exemple, il n'y a pas d'autres moyens que la chirurgie. À ce moment-là, ça répond à un cahier de charge. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Ça répond à des règles relativement rigoureuses. Et moi personnellement, je refuse d'opérer les malades lorsque ce n'est pas une bonne indication, pour deux raisons. D'abord, ben, je ne veux pas avoir d'échec. Voilà, Donc, ça c'est d'accord. clair. Et deuxièmement, ça ne me paraît pas honnête ni logique d'opérer des gens qui n'ont pas besoin d'être opérés. Vous savez, vous venez de mentionner le mot honnêteté, hein. Franchement, avec tout ce qui se passe dans le monde et avec toutes les chirurgies esthétiques qu'on voit, des fois, c'est lamentable. Le résultat est lamentable et on se dit, c'est la déontologie médicale. Jusqu'où peut aller un médecin excusez-moi, pour l'argent? Et à transformer quelqu'un, à le transformer, le retransformer jusqu'à obtenir un résultat qui est lamentable. Vous, par exemple, c'est quoi votre position vis-à-vis de cet engouement vers la chirurgie esthétique, en même temps qu'il n'est pas, des fois, le résultat n'est pas joli, pas beau. Oui, enfin bon, il y a chirurgie esthétique et chirurgie esthétique. Il y a des choses qu'il faut absolument, enfin bon, qu'il faut absolument, où ça me paraît logique, quelqu'un qui a une disgrâce physique, enfin un nez de travers, enfin bon, Justifiable. là c'est justifié, ça ne souffre pas de discussion. Il y a une autre demande, enfin, qui émane de personnes, voilà, qui ont certaines raisons pour le faire et ces personnes-là arrivent à rencontrer des chirurgiens qui acceptent aussi de le faire. Et donc, moi, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. C'est difficile. Mais Difficile de se positionner. ce que je peux dire, que ça n'a rien à voir avec les concepts médicaux et chirurgicaux. Voilà. Et puis la logique On humaine, est et voilà. dans un autre cadre, et ce cadre-là, à mon avis, ne répond pas au principe de la chirurgie ni au principe de la médecine. Vous savez, Michel Serres disait que pour justement rester jeune, il y a trois façons. Il y a une mauvaise, une moyenne, une bonne.
Alors, la mauvaise, c'est effectivement l'activité physique, enfin, non, pas l'activité, la chirurgie esthétique, le camouflage, les mariages, le maquillage, etc., etc. Et donc, le temps finit toujours par rattraper ces gens-là, parce que de toute manière, quand on fait un lifting, au bout de 5 ans, il faut refaire un autre. Sinon, on revient à l'état initial et sinon pire. La deuxième, c'est faire du sport. Effectivement, mais c'est très, très bien de faire du sport parce que ça maintient en forme. Sauf que lorsqu'on arrive à 65 ans, 70 ans, ben, le corps ne répond plus. Et donc, ce n'est pas une très, très, très bonne méthode pour rester jeune. Et la troisième, qui paraissait à ses yeux la meilleure, c'est justement rester en contact avec l'art, avec l'écriture, la lecture et l'apprentissage et le savoir. Et ça permet de garder un cerveau jeune. Et quand on a un cerveau jeune, je pense que le corps suit un petit peu, pas beaucoup, Oui, sans aucun doute. Et d'ailleurs, j'y viens. Alors, l'écriture, c'est un monde à part, franchement. Et comme moi, je ne cesse jamais de répéter, c'est une générosité commise par les braves. Comment vous, docteur Cohen, vous y êtes tombé? Alors, nous avons le bloc des contradictions, n'est-ce pas? Et nous avons, et pour le plaisir, votre dernier ouvrage. Alors, il en faut du courage pour justement s'attaquer à des sujets tabous, hein, de la société marocaine, ben, sans se faire remarquer. Et puis, est-ce qu'on en sort facilement de cette bulle cartésienne, scientifique, pour aller un petit peu jongler avec la plume? Et est-ce que vous, psychologiquement, vous arrivez à faire vous avez une barrière entre le chirurgien et l'écrivain? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu et puis de vos ouvrages? Oui, ben je ne sais pas s'il y a une barrière. En fin de compte, non, enfin pas de barrière. Moi, dans mon activité chirurgicale et dans mon parcours scientifique, j'ai publié à peu près une centaine de publications scientifiques, mais ça ne répond pas à c'est pas la même façon d'écriture. Enfin, c'est une écriture, mais ce n'est pas la même. L'écriture scientifique répond à une rigueur, à une biographie, à une bibliographie, à des recherches. C'est un peu particulier, mais ça facilite aussi, c'est-à-dire ça met en contact la personne avec la plume et le papier, et ça peut justement générer ou donner l'envie d'écrire. Écrire autre chose, écrire des romans, c'est un peu particulier, c'est un plaisir aussi, c'est un plaisir, comme vous dites, une générosité, oui, c'est une générosité, c'est vouloir justement partager ses sentiments, sa vision, ses regards sur la vie avec les autres. Et quand ça rencontre le public, c'est extraordinaire. C'est une activité belle et passionnante pour elle-même et pour moi, pour l'écrivain, je suppose, pour tous les écrivains, pour tous les artistes d'ailleurs. C'est une espèce d'ouverture sur le monde. Enfin, on découvre énormément de choses. C'est-à-dire, dès qu'on se met à écrire, on est en contact déjà avec la fabrication du livre qui ne se limite pas à l'écriture tout simplement. Elle passe de l'écriture à l'édition. Et le monde de l'édition au Maroc, c'est un monde à part. Enfin, ça m'a permis de découvrir ce monde-là qui est extraordinaire, qui a aussi ses avantages, ses inconvénients, comme tous les domaines, c'est extraordinaire. Et puis, l'écriture s'inspire du réel. C'est le réel qui conduit au fond au romanesque. Donc, c'est sûr qu'on s'inspire de la vie, on s'inspire de la vie quotidienne, on s'inspire de ce qu'on rencontre, de ce qu'on lit, de ce qu'on est en fin de compte. Parce qu'écrire, c'est, moi, à mon avis, c'est une confession autobiographique. Enfin, ce qu'on écrit n'est pas forcément notre histoire, mais on écrit ce qu'on a rencontré, ce qu'on a vu, ce qu'on a lu, ce qu'on a appris. Et il suffit de prendre des ingrédients dans la vie de tous les jours et puis échafauder une histoire. Enfin, voilà, il y a des gens, tout le monde est capable de raconter une histoire. Il y a ceux qui racontent bien, il y a ceux qui racontent moins bien. Mais pour qu'un livre soit réussi, il faut que celui qui raconte le raconte bien et celui qui lit le lit bien aussi. Donc, c'est un monde extraordinaire. Moi, je suis très, très content de faire ça. Ça me permet de m'évader, d'une part. Ça me permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres mondes qui ne sont pas dans le cercle médical. Et c'est une ouverture d'esprit. Bien C'est sûr. une Alors, moi, je suis un petit peu curieuse de savoir, pour le plaisir, qu'est-ce qui vous a inspiré ce roman? Parce que, franchement, il est, j'allais vous dire, vous avez osé, hein, vous avez osé. C'est toute une histoire Ben que écoutez, plusieurs ont vécue.
mais que personne n'ose en parler. Et c'est, j'ai hâte de le lire, hein, j'ai hâte que ça arrive au Canada, mais écoutez, on se dit bravo. Et bravo. C'est vrai, c'est un sujet qui est relativement tabou, mais bon, Oui. aujourd'hui, la caste intellectuelle marocaine, enfin les artistes, les écrivains, les poètes, les metteurs en scène, etc., sont en train de déboulonner les tabous un par un, et c'est très très bien pour la société marocaine. Enfin, il y a un travail culturel extraordinaire qui se fait actuellement au Maroc. Il y a beaucoup de gens qui écrivent, il y a beaucoup de gens qui s'essaient au cinéma, à la poésie, au théâtre et à l'art. Par exemple, depuis que Sa Majesté s'est intéressée à l'art, il y a une explosion d'artistes, une floraison d'artistes marocains dans le style et tous les domaines, et ce qui est extraordinaire. Et justement, donc, écrire, c'est justement forcer quelques tabous. Pour le plaisir, par justement d'une relation amicale, entre parenthèses, amoureuse, entre deux personnes de même sexe, ou qui sont toutes les deux, mais complètement différentes dans leur façon de voir les choses, dans leur vie, dans leur éducation. Mais ils vont se réunir autour d'un concept qui, pour moi, le concept le plus intéressant chez l'être humain, c'est l'amitié. Effectivement, ce bouquin parle de l'amitié, parle de l'amour, parle de la jalousie, de la trahison, de l'honneur, un peu de religion, parce que voilà, nous sommes dans un pays religieux. Et c'était un pari de justement de se mettre dans la peau d'une femme, et que la femme soit une que le texte soit écrit sous le regard d'une femme. J'espère que ça va rencontrer le public. J'espère que, enfin, les premiers échos ne sont pas négatifs. Je sais que Exactement, j'ai lu ça, il y a vraiment de beaux retours, mais est-ce que vous n'avez pas été lourdement critiqué par certains, peut-être? N'avez-vous pas été un petit peu, vous savez, en... Écoutez, les gens qui sont à même de critiquer ce genre d'écriture ne lisent pas. Voilà. Voilà. Donc, bon, lorsque ça va leur arriver aux oreilles, il y aura certainement des critiques, mais forcément. Mais bon, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant quand même de forcer certains tabous, de dire les choses, d'exprimer les. Mais ça fait partie de la vie de tous les jours. Je sais impertinemment que plusieurs personnes vont se reconnaître dans les deux personnages. Oui, mais est-ce que le j'allais dire le lecteur marocain, est-ce qu'il est prêt justement à lire ce genre de roman et puis à se dire oui, je connais une telle ou un tel ben, qui sont pareils, qui sont ces personnages-là. Sommes-nous à même de le dire hein, ouvertement, oui, moi je connais des gens qui ont vécu ça, et puis oui, ça existe, et puis est-ce que le lecteur marocain est préparé, est prêt à accueillir ces gens vécus? Je crois qu'il est de plus en plus prêt à lire ce genre de choses, et ça intéresse énormément de gens parce que justement ça force des verrous. J'en prends juste pour exemple un livre qui a été écrit par mon ami Trabelsi il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait Une vie à trois. C'est pratiquement dans le même sens. C'est un livre poignant qui parlait d'une vie à trois, donc ce qui fait qu'il y a 20 ans au Maroc, ce livre a été édité, publié, il a eu un succès, et donc il n'y a aucune raison à ce que nous ne parlons pas de choses comme ça. Et je pense que mettre ces sujets-là sur le tapis De permet d'abord sensibiliser justement autour de de ça. sensibiliser, d'ouvrir les esprits, de susciter ou d'inciter à la discussion. Et puis voilà, je suis persuadé que c'est une bonne chose. Enfin bon, sous Vous réserve. pensez que vos personnages sont des personnages stigmatisables dans notre société, c'est-à-dire que on les montre du doigt, Bien alors que sûr. peut-être nous-mêmes nous commettons, vous savez, la société marocaine, c'est ça, les contradictions, les personnes qui commettent ce genre d'actes, Bien sûr. elles condamnent justement. Mais effectivement, bon, on a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu énormément d'histoires de gens qui se disaient d'un autre bord, qui se sont retrouvés dans des situations. Donc, Pieux et religieux, oui, bien voilà, sûr. tout à fait. Mais l'être humain, ce qu'on oublie justement, c'est que l'être humain est un être de désir, un être d'amour, et ça, on ne peut pas l'étouffer, ce n'est pas possible. Donc tout à l'heure, je pensais à l'histoire du bloc des contradictions, parce que dans le premier livre, enfin, il y a une partie qui parle de l'avortement,
Et je me disais, comment est-ce que dans un pays comme ça, on peut continuer à interdire l'avortement, on peut continuer à interdire les relations humaines, on peut... ce n'est pas logique. C'est possible, la preuve c'est que ça existe, mais ça n'a aucun sens lorsqu'on sait que les êtres humains, ce sont des êtres du désir. On ne peut pas enlever ça aux êtres humains, ce n'est pas possible. Donc il faudrait... Se faire déni de quelque chose qui existe dans une société et qu'on pourrait exposer et bien traiter, alors que nous en faisons abnégation, déni, et puis le problème est là, puis ça prend des ampleurs négatives parfois. Le voile de l'ignorance est trop épais. Exactement, exactement. Alors, écriture, chirurgie, Harley Davidson. Oui. Oui, tout à fait. What next, docteur? Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Je ne sais pas, de la musique, par exemple. Ben oui, enfin bon. Et c'est vrai, ça fait partie d'un ensemble de choses qui permettent l'évasion. Et je pense que arriver à un certain âge, lorsqu'on a tellement travaillé, tellement, on a besoin à un certain moment de préparer sa retraite. Voilà. On Et mérite. préparer sa retraite, ça passe par toutes ces choses-là. Parce que je vous parlais tout à l'heure d'un père spirituel qui m'avait pris la main pour m'apprendre mon métier, etc. Et c'est un homme qui était voué à la chirurgie. C'est-à-dire que à 7 heures du matin, il était dans le service. On partait du service à 8 heures du soir. On était là présent le samedi et le dimanche. Et il ne connaissait que la chirurgie. Et arrivé à l'âge de la retraite, on lui a demandé donc de partir. Il était tout malheureux parce qu'il ne voulait pas partir. Il a juste demandé de continuer à donner des cours de façon bénévole, à venir dans le service comme ça de façon bénévole. Et on lui a dit, niet, non, tu rentres chez toi, c'est fini. 6 mois après, il a fait un infarctus du myocarde. C'est ça. Donc, la retraite, ça se prépare. Et justement, l'écriture, l'Harley Davidson, la guitare, la poésie, permettent justement de préparer la retraite. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, franchement. J'espère que plusieurs Marocains vont s'imprégner de vous et de votre carrière, de jeunes Marocains. Vous savez, il y a maintenant beaucoup, beaucoup de Marocains qui veulent s'orienter vers la chirurgie. Ils en ont les capacités, ils en ont les compétences. Alors, votre relation avec la jeunesse, est-ce qu'il y a quelque chose comme, est-ce que vous êtes dans le mentorat? Que faites-vous pour les aider à justement vouloir pratiquer la chirurgie comme vous l'avez? Ben écoutez, moi je travaille dans le secteur libéral, donc je n'ai pas de vocation de formation. Donc les étudiants sont dans les facultés. Il y a deux facultés à Casablanca, une faculté privée, une faculté publique. Donc la formation se fait à ce niveau-là. Ça n'empêche que lorsqu'on organise des congrès, moi j'organise tous les mercredis un webinaire parce que Covid oblige, où j'invite des chirurgiens européens, des chirurgiens tunisiens, enfin maghrébins, Tunisie, Algérie, Maroc, Belgique et France. Et on se retrouve tout le mercredi autour d'un webinaire et on invite effectivement les plus jeunes pour participer à ce genre de réunion. Ça permet de profiter des expériences des uns et des autres et je trouve ça très bien. Donc tous les jeunes sont invités à participer à ce genre de trucs. C'est magnifique. Écoutez, je vous en félicite. Et puis, j'ai été très heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur la plateforme médiatique Positiva Morocco. Et puis, j'espère qu'un jour, on vous recevra en personne au Canada lors d'un congrès, bien sûr. Vous allez honorer votre pays comme vous le faites toujours. Merci beaucoup, docteur Cohen, pour votre temps. Et ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous. C'était un honneur. Merci. Merci, au revoir. Très bientôt, j'espère. François René de Chateaubriand disait: on ne vit que par le style. En vain, on se révolte contre cette vérité, le style. Il y en a de mille sortes, mais il ne s'apprend pas. C'est le don du ciel, c'est le talent. Positiva Morocco, Positiva Morocco, Positiva Morocco.